Madame, demoiselles et messieurs, bonjour et merci vraiment de nous avoir choisis. Merci d'être là. Merci de votre fidélité, surtout les gens qui se sont abonnés encore la semaine passée. Je vais commencer d'abord par vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël qui s'annoncent dans la semaine prochaine. En tout cas, mes meilleurs voeux de bonheur et de prospérité pour l'année aussi qui va commencer, l'année 2022. Donc, joyeuses fêtes de Noël, donc que tout le monde qui se prépare pour aller en fête de nativité, en tout cas que vous, je vous le souhaite, en tout cas une merveilleuse, que vous passiez de bons moments, surtout ceux qui sont en République démocratique du Congo. Bien sûr aussi chez nous ici, pour ceux qui me suivent aussi à Johannesburg, j'ai beaucoup aussi d'abonnés ici à Johannesburg. En tout cas, je vous souhaite tous de bonnes choses. Que cette année que nous venons de passer, c'était pas facile, mais que Dieu puisse nous bénir et puisse continuer à nous donner la force, et surtout moi, prier, continuer à prier pour moi aussi, parce que Dieu nous donne encore une année devant nous et nous espérons que nous allons justement continuer à le servir de notre manière, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous informer et éveiller la conscience de tout Congolais que ce pays n'appartient pas aux étrangers, le pays appartient à nous tous. Et que ce pays, ce n'est pas à quelqu'un d'autre, à un homme qui va le reconstruire, ce n'est pas un seul homme, mais c'est nous réunis. Si nous réunissons nos forces, si nous sommes conscients que ce n'est pas les politiciens qui arrangera le pays, mais c'est tout le monde qui y habite, c'est tous ceux dont leur cordon ombilical, leurs ancêtres reposent en paix dans l'air, sur leur terre. Et c'est nous tous qui mettrons nos forces ensemble pour reconstruire le pays. En 2023, ça a été, c'est devenu de l'histoire. Maintenant, nous devons poser notre regard sur l'avenir de notre pays. On va parler de quoi aujourd'hui dans cette émission? Cette émission, ça ne sera pas encore une émission rétrospective parce que nous ne pouvons pas faire une émission rétrospective pendant que nous n'avons pas encore achevé la fin de l'année. Mais nous allons quand même parler de faits qui ont été vraiment d'actualité et qui a mis à genoux notre pays. L'espoir s'est envolé, comme vous aviez vu dans le titre, l'espoir du peuple congolais n'est plus dans le politicien, il s'est envolé, le Congolais ne sait plus où mettre son espoir, qu'est-ce qu'il y a. Nous allons parler des root causes, comme on dit en anglais, de cette débâcle que nous avons vécu en 2021. Donc voilà l'ossature de cette émission et nous parlerons aussi de petites autres choses qui pourront venir à notre esprit que j'ai écrit ici. Nous allons parler de l'espoir qui s'est envolé, de la désignation, disons, de la dégringolation de la situation économico-sociale que nous avons vécue en République démocratique du Congo. Nous ferons ça et là sur les contrats qui ont été signés et tout ça, ce sont des émissions que je vais échelonner, les 2-3 émissions qui restent pour l'année parce que rappelez-vous que nous sommes en train de faire un autre projet et que ça nous demande beaucoup de temps et que c'est pour cela que nous ne sommes pas redéli, comme on dit, journaliers sur Contact Pro Live. Néanmoins, merci pour tous ceux qui sont en train de m'appeler, de poser la question. Voilà la réponse. Allons-y d'abord faire comme nous faisons d'habitude, prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin, dimanche 19 décembre. Donc il y a quelques journaux qui ont parlé de l'actualité. Nous allons les lire et puis nous reviendrons tout de suite pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Ituri, 35 combattants de ADF capturés en 72 heures
dans une offensive lancée par le FRDC et l'UDF. Puis, environnement, la société Mbanza Wood dévoile les millions l'heure volés par le DIRCAB et les DIRCABA de la VPM F. Bazaïba. On va sur actualité.cd. Soupçonné de collaborateur avec les ADF, un acteur de la société civile arrêté à Beni. Et puis, affaire Olivier Pung a retrouvé mort dans les installations de la police. Ce crime ne restera pas impuni, rassure le ministre des Droits humains. Congo profond, chute 4 de ce qu'il faut retenir des 76% de matériel déjà disponible. Ituri, des bastions ADF et alliés à Marina 3, Bantonga, Kitumba et Mulungu détruits par les tirs d'artillerie et bombardements aériens phares de ce UPDF. 7 sur 7. Ici, le général Dieudonné Amuli, aucun policier rwandais ne se trouve sur le sol congolais. Et puis, toujours traque des ADF, nous ne sommes pas au Congo pour chercher des minerais, mais pour combattre les rebelles IPDF. Ça, vous les lirez dans 7 sur 7. On termine par Radio Okapi. Beni, des professionnels de sexe se sensibilisent entre elles contre le MST. Et puis, Bazouélé, le trafic est coupé entre les territoires d'Ango, Bondo et Poco. Merci, on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mes chers amis, cette année nouvelle a été, disons l'année passée, a été remplie avec beaucoup d'espoir. Le président de la République avait, quand nous nous rappelons de son discours à la nation, et annonçant la création de l'Union sacrée, tout ça, c'était un discours que nous avions apprécié, que nous avions... Ça a redonné beaucoup d'espoir et beaucoup de gens ont été confiants en disant que non. Maintenant que le président a axé ses actions sur l'état des droits, il y a eu beaucoup de projets en tout cas. Il y a eu l'état des droits, les débâcles du projet des 100 jours avaient déjà commencé au mois de janvier. Il y avait déjà les histoires des caméras et tout ça. Et tout ça, nous avions vu que le président... était vraiment dans une bonne posture où il expliquait à Yebisa Kibiso Bamakambo Ebele ou Epesa Kibiso Espoir en appelant beaucoup de gens tout autour de lui pour cette union sacrée qui a été créée, tout ça. Mais, Bandeko, ndenge toza komo nakaba projo ane bandi, au fur et à mesure que nous étions en train d'avancer dans le temps, donc toke na mois de janvier, février, mars, avril, gouvernement Eko Bima, vers le mois de mai, la situation, il y a Est et Mataki Lissousou. Donc, le président avait refusé à Kokendena Est. Finalement, il est parti. Babilo Kwana Nyoso, Ezalaki Kakanaba, Kokoso Kakanaba, Kokoso. Finalement, le pays n'a pas pu être mis sur le rail du développement. Tout s'est retrouvé dans l'année 2021. Tout ça, toutes les actions entamées, Babilo Konyo surtout, Zala qui a entamé et Souka quitté. Donc, on n'a pas pu avoir le résultat. Y a Babilo Konyo, président à la quitté. Il n'y avait pas eu aucune réalisation concrète à Koloba Keno. Bon, par exemple, Nani, Likamboyana, il y a état de siège, par exemple, ça c'est un exemple. Ou bien l'Isolo, il y a gratuité et enseignement, on a vu de bâcle l'état des droits qui bat de l'aile. Babilo Kwana Nyoso eye kokoma toye kokoma surtout na discours na ya suka awa et pesi que kote ya président de la République et kiti makasi. Même ceux qui l'ont supporté, même au sein même de son parti politique, il y a eu des déceptions. Beaucoup de gens ont été déçus na ba action ou bien ba réalisation, les non-réalisations des projets qui ont été programmés dans l'année Oyo. Donc finalement, Mboka et Komaki na eloko moko tozwa koloba, un moment de limbo. Donc on ne sait pas exactement. Fait-il faire confiance à Fachi? Est-ce que Batouba, comme Koluka, qu'est-ce qui se passe? Parce que Ezalisu Likambako, Yakuko, c'est la moutoute qui est ou quoi que ce soit. Il a tout le pouvoir en main, c'est ce qu'il chercherait. Bandeko, nous avons vécu ça tous. Espoir,
pour un décollage économique exalté. Le Congolais en soi, ce qui te lobby que nous avons espéré qu'un président n'a pas besoin de ça. Et nous avons vu les djalés le défiler sur le média, essayer un peu de défendre l'indéfendable. Nous nous réfléchissons beaucoup plus sur l'avenir. Donc, sur le plan juridique, le droit qu'on proclamait, que non, état de droit, tout installé, état de droit, est un échec total. Libération à Kamere ndé ko beta susu sete à souka sikona na cercle à état de droit bandeko, même si les gens de l'UDPS vont commencer à continuer à supporter le président de la République, mais toutes les actions qui ont été entreprises ezako kendekaka na échec. C'est là où on pose maintenant la question de savoir, y a-t-il quelqu'un qui bloque? Lui-même a estimé que non, Babiloko, Tobantama Kiango, Ezo Simbate. Jusque même à condamner le gouvernement à Baba ou à Bawarior. Et tout ça est sorti dans Mounoko, le président de la République. Et ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous quand il est parti à Beni. Au président Lobby, que le petit Janson, Alingaka Lelisae, Aebaki Makambo Yote. Mais nous nous posons maintenant la question de savoir casting est en dengenini. Alors les causes, beaucoup de causes on a bandé koeb sabino na lobby. Si vous rappelez de toutes de ma vidéo nangaï, na bandé koloba Fachi pardon tozong la zéro. Na loba kaba titre belé. J'ai dit que Fachi a été récupéré par l'ennemi du peuple. Est-ce que l'ennemi se trouve maintenant au sein même de la base cour? Nous avons cette impression que c'est ça la réalité, effectivement. Que Fachi est entouré et a été pratiquement récupéré par l'ennemi. Parce que Fachi a zakoyo que la lissou soumoutouté. Ce qui prouve ça, c'est ça, eloko oyo, discours oyo, a outé koloba awa. Nous avons vu, naeb saki bande komu sou souba toto bande kosola, nous avons vécu pratiquement le discours de Kabila. Lorsque, par les rares fois, il passait devant le peuple, il parlait devant le peuple, Kabila avait très confiance, surtout les dernières années, 2015 et 2016, il avait très confiance à l'avenir. Mais cet homme-là, et là, comment on a dit qu'il n'y a pas de canaille, les gens pouvaient le pousser à postuler pour un troisième mandat. Bandeko, toko ki koloba, toko ki banda ko koloba, lelo to mati likolo to salibo eke, non, to kimisaki, il y avait une certaine part de volonté que Kabila atika pouvoir nae. Et respecter sa parole en disant que non, toko kende na ba élection, je ne postulerai pas pour un troisième mandat. Il y avait cette. Kabila est resté muette. Pendant toute une année, à l'obacate. Et c'est là où je félicite et je dis que cet homme-là était grand. Par contre, ce qui t'a dit, c'est Fachi. Déjà, dans le mandat, il y a Liboso et Simbite a annoncé déjà que nous avons un deuxième mandat. Chose qui était légale pour lui. Donc, Zalaki Azan a droit à un deuxième mandat, c'est vrai. Ça, nous connaissons ça. Azan a besoin d'un deuxième mandat. Azan a droit à un deuxième mandat. Mais ce deuxième mandat-là, pour lui donner, il doit prouver sur le terrain. On ne fait pas de la politique parce qu'on est Tshisekedi ou quoi que ce soit. Et je vais vous dire la solution que moi, je pense qu'il faut faire. Donc, au moins, ici, qu'on place deux présidents de la République, Oyomutu, Atikala qui causera mieux. On lui posait la question, on cherchait à arracher cette histoire-là pour que ce qu'il va dire reste une loi. Mais le président de la République est resté muette dans le Kambaba, troisième mandat. On nous soupçonnait, il n'a jamais parlé de ça. Tout ça, il disait que bon, se préparer à l'élection causera.
bon se préparer ba élection kozala. À la fin, il disait oh non bongo zate alobi ke mbongo kozala. L'argent était là. La République démocratique du Congo a organisé les élections. C'est pour dire ici qu'il y avait une certaine volonté. Il y a Koloba que non. Et ça, c'est que non, la pression de la rue qui m'a chassé du pouvoir. Non, ce n'était pas. Ce qui est au lobby, mais on a commis comme ça. Kabila n'est jamais parti par la pression de la rue ou quoi que ce soit, Batoumbo qui. Non, non, non. Pourquoi? Parce que la Constitution, comme je vais vous le prouver aujourd'hui, la Constitution lui donnait tous les pouvoirs. Aujourd'hui, Fatih Azana pouvoir wana nyonso, Azana cour constitutionnelle, Azana bakaporo na yena côté à parlement kuna mutute Azana armée na yena maboko. Mais tout ça, Fatih ne sait pas contrôler, ne sait pas diriger, il n'est pas apte ya ko utiliser ba arme nyonso wana pour remettre le pays sur le rail. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec tous les pouvoirs à main et comme il cocosa que non bateau et gouvernement bazo ça la malamouté bandeko. Je vous ai dit que casting est malamouté en République démocratique du Congo. D'où vient le mal? Le mal c'est que aujourd'hui tous les politiciens dans le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, ba politiciens nyonso ba koki kolinga ba kende kozwa pouvoir na ndenge wana ezali. Pouvoir ezana Kinshasa, c'est tout. Et lorsque on a conquis Kinshasa, on peut faire du n'importe quoi. Batu nyonso batia miso na kin. Kinshasa nde mutu e dirijaka Congo mobimba. Sur le plan physique, sur le plan psychique, je voulais dire, sur le plan ésotérique, le pouvoir est à Kinshasa. L'homme blanc avait retiré, disons, carrément le pouvoir na base ba tia yango na likolo. Et lorsque l'homme blanc le prend, aliéné kaka président de la République, et loko moko koko bobonga bate. Vous allez voir au sein même du Congolais lui-même, il vous dira le chef, Mokonzi, à quoi que ça l'abisso. Tout ce qui se passe, même dans les assemblées provinciaux, naba gouvernement, disons, naba gouvernement provincial, naba biloko nyonso wana tout. Okoyoka kaka, nous demandons le chef et le régulateur. Tout le monde dit que le chef doit venir construire. Boza comme on a même ba politicien siko. Oh bazo ça la déjà campagne. Je me demande ce qu'ils vont faire la campagne pendant une année. Parle ici de ce que bao bazo kende kisangani ozoyo kabatu bazo lo batozoze la mokonzi tozoze la président nabiso aya kobongisela biso banzela les congolais s'est exclu système wana nde castingo toza koloba wana le congolais ne veut pas prendre les choses en main. Les Congolais ne veulent pas travailler. Ça, il faut que nous puissions nous le dire en vérité. Le Congolais pense que son salut viendra d'ailleurs. Son salut viendra d'un seul homme.
Congolais au Kanisaka salut na eza mutu moko o tozolo ba président de la République ne mutu akoya ko bongisa ba makamu nae na région akoya ko bongisa ba nzela akoya ko sala o tozoze la président aloba la preuve bozota la ke likambo état de siège côté ya nani kuna mutu nyoso alingi ko kende contraire na président de la République te jusqu'à ce que le président de la République va dire que non état de siège sili bangonyo surtout bakola muka oui état de siège sili état de siège sili personne ne peut aller dire à contredire je parle ici du parlement du sénat parce que na ndenge ya constitution ortozali sénat na parlement ils a ko jouer contre pouvoir mais ils ne jouent pas ça le fait que le président de la république avait déjà mis caporalisé même la cour constitutionnelle a banga kalisusute batuna ende baza côté kuna. Et c'est ça le changement que le peuple congolais attendait. Yango naza koloba même banabi batu oyo bakoya ko bongisa mboka, bakoya ko bongisa mboka na système oyo te. Soko zomona batu nyoso baza ko bunda baza la ba président de la République na kati ya système oyo baza ko kosa biso. Baza ko yebisa te biso te que non changement ko zala ndenge ni. Ils vont vous dire que non, moi c'est l'homme l'idéal, moi c'est l'homme le plus, qui connaît tout. Moi c'est l'homme qui connaît le problème du Congo, na quoi qu'on résoudre le problème nabino. Boza koyoka ba djalelo à Kisangani, ba tout moko, le peuple congolais de Kisangani, en disant que non. Tozoze la président wana koya, tant wa kokoma awa, tala tozana ba compagnie, te tozana ba biloko. Tous les hommes misales à la kate bandeko, ceux qui tozeli kaka te ba politicien de mtu ba koya ko bongisa la biso mboka oyo. Toza komi kosa et mboka na biso ko bonga kate. C'est pour cela nous nous disons ceci. Na contact pro life awa tozolo banini. Tozolo ba système il faut que nous puissions changer le système. Casting, le président qui va comprendre que atana komi na bokonzi, ce n'est pas que c'est moi qui va aller commencer à construire les routes. Et ça batou si ces gens-là ne construisent pas. Ceux qui batouana bazana na kati ya misala te, ceux qui contrôlent les autres salaires, ceux qui batouana bazana pouvoir te, ya ko contrôler ba misala na bango, misala ko sale makate. On va toujours continuer à crier que non président ya ka koto ya ko tala. Ya ko sala boye, on a réclamé, vous avez vu ya beni que non il faut que président kende kuna. Parce que nous savons que ce sont même maloba na ye ende biso ba congolais tokanisaka soki mutu alobi nde salemi. Il faudrait que nous puissions quitter cette culture là ya kokanisa ke non soki mutu alobi nde makambo salemi. Nous sommes à peu près 100 millions d'habitants, il faut que tous les 100 millions bazala en contrôle ya mboka. Il ne faut pas que décision uta aka Kinshasa. C'est pour cela nous disons ceci bandeko, si le système nous ne changeons pas le système ya koloba que président de la République nde muto akosala nyonso tokubonga akakate et tous les politiciens qui défileront à la tête de notre pays dans ce même système unitarisme ici tokwechua kanabiso. La solution c'est quoi maintenant bandeko? Solution ona lobakango mikolo nyonso na zo faire comprendre ngo lisusu ao. Nous avons un président Mwana Mboka. Changez mind kaka. Ce que nous, moi je demande au président de la République a changé idéologie aloba bandeko. Aloba na peuple ke bandeko. Ngana ko sale la bino eloko mon côté. Ce n'est pas moi qui viendra kobongisa Congo na bino oyo. Ngape naza moko ya ba congolais, mais il faut biso nyonso to bandela mboka oyo a zéro. Eza na sans tena kanga batu o baza koiba na système o parce que système o atato kangi 1000 personnes ki moibie ko si la kate. La preuve en est que même les ministres qui sont dans le gouvernement de Warrior sont en train de voler. La solution c'est quoi? Il faudrait que tozala na conscience to changer ma makambu nyoso to bandela li mboka o na ndenge na nouvelle constitution na ndenge asika ko diriger mboka. On avait parlé vers le début de l'année 2020, on a dit que nous avons besoin d'un politicien ainsi que changeons la classe politique. Comment nous pouvons changer la classe politique? C'est en faisant parler le peuple lui-même. Bandeko, c'est pour cela que j'ai dit que le président de la République, j'avais dit que non, le Tshisekedi a la chance, encore une chance, que Tshisekedi a la moka.
alobake non bande kongaye naza capable te akokanga miyibi nyonso tu ya Congo te. Il faut l'implication ya bino ba population. Pourquoi l'armée n'arrive pas à terminer makamboza ko sale mana est? Aza ko réclamer toujours que non, peuple faut ba s'impliquer aussi ba pesa ye maboko. Donc le peuple est à la base de toutes choses. La première des choses, c'est réorganiser cette base, réorganiser ce peuple congolais dans les tribus dans lesquelles ba respecta kamutu na mutu awa. Ba congolais bazana ba mabele na bango, remettre pouvoir na batu oyo bazana base. Baza la conscient que non, ba mabele na bango eza bango ne mutu ba ko bongisa yango. Soki ko tonga nzela, soki to pesi yombongo, soki kuna na kati ya ba mboka na bino boza consciente que mbongo oyo biso mutu toko gérer yango, biso mutu toko créer misala, biso mutu toko décider compagnie nini koya awe kosa ekozwa banani e kuangager nani. Soki bango baza conscient elo kwana te musale kosale makate tozolo ba ana likambwa recensement na nani na identification na système oyo ekosimba kate bandeko. Je le répète, l'identification et le recensement des Congolais dans le système unitaire ici, où quelqu'un doit venir de Kinshasa pour aller travailler na katia ba intérieur ekosimba kate. Responsabiliser le peuple à la base de faire le travail, remettre le peuple au travail, c'est ça le principe que nous sommes en train de dire ici. Tangu Congolais kozonga kosala musala na base, ayebi ke non, musala ona zo sala nde yango mute kofuta. Na kozela président de la République te aya awa ponga na bandao, pona na zala bien te. Président de la République ye mutu akobongisa mzela akamituga te. Président de la République yende mutu akotia barge, akokumba barge te akokende na Mumbai mbongo be akokende na Équateur te. Il faut que les hommes de l'Équateur, toi Équateur, se réorganiser bandeko. C'est là où nous sommes en train de dire. Il faudrait que tout le monde, na place au Azali, azala conscient que non, awa, biso banani ndeto zalaka awa. Toko bandela awa, toko bandela na identification à population. Ok. Il ne faut pas que quelqu'un qui vienne de Kinshasa pour venir nous identifier. Non. Il faudrait que le chef coutumier, oyo ba boto ba minele ba boto la ka pouvoir pour na koti kango na Kinshasa, en vous faisant croire que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez rien faire. To redonner batouana confiance à l'air disant que misala eza kuna, eza bino mutu boko sala yango. So ki bino bo sali yango bien te, boko zwa kape dani fruya misala wana te. Bandeko, c'est ça la solution. Et solution en ezanini, c'est la convocation des états des lieux de territoire. On a l'obaka mikolonyos. Président de la République convoque les états des lieux de territoire na 2022. Ezwata 3 mois. Na état des lieux, on a tout réfléchir sur une nouvelle constitution qui redonnera le pouvoir au peuple à la base. C'est ça la solution pour que dès que la gestion sera saine au niveau des territoires, cette même gestion sera saine au niveau des provinces, na niveau ya gouvernement central, tokozala sou na problème te. Proclamer une décentralisation à outrance ou bien fédéralisme pour que batuna batuba yeba sécurité za na maboko na bango. Nous pourrions maintenant réorganiser une armée fédérale, mais ce qui est aussi toyebike, batuna batu, bazak bayebani, ni nyango basala kanakati ya ba contre na bango. Mais tant que toyebani te, tant que tozo évoluer kaka na ndenge moko ya batsanga tsanga, ekosimba kate. Bande konaza ko s'arrêter awa lelo, espérant que na la musi conscience ya mutu moko. Na ko rappeler bino lisusu une fois de plus. Abonnez-vous encore. Batou Bandeko. Abonnez-vous, partagez nos émissions, ça nous fait du bien, ça fait du poids à cette émission. Maintenant, ça fait ça qu'a sens. Naba makambo toza koloba, naba to baza ko mona keno. Émission, c'est-à-dire ce qui est à partager, c'est qu'il y a quand même une solution. Naza ko zo ba appel et belé sur réorganisation ya nani ya ba ko ba état de lieu ba province, surtout ya ba to baza ba na pouvoir. Je vous l'ai dit, vous, parce que pour l'instant,
Pour l'instant, c'est la seule solution pour la République démocratique du Congo, à ma connaissance. Ce qui pouvoir ezongi na banani te na peuple te na base te, si nous ne parviendrons pas à réorganiser la base pour assurer la gestion quotidienne de tout son patrimoine, Congo na biso ko bonga kate. Voilà yangwana na zolo bakino, il faut vraiment bo partager yango et puis émission oyo et puis ça va nous donner encore de l'espoir pour l'année prochaine. Je vous remercie encore une fois de plus. Je vais m'arrêter ici en vous disant merci et vous souhaiter encore une heureuse fête de Noël et puis bonne année 2022. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.